L'anthropologie est une discipline qui a pour vocation de comprendre l'homme, comme son nom l'indique, anthropologie, discours ou connaissance de l'homme. Mais la spécificité de l'anthropologie, c'est de s'emparer de cette question, mais en saisissant l'homme dans toute sa diversité. En disant, en partant du principe qu'il y a de multiples façons d'être humain, il n'y a pas une façon d'être humain, il y en a des milliers. Pour un étudiant en licence, il faut savoir que s'inscrire en anthropologie, ça veut dire s'inscrire dans un projet intellectuel et de connaissance de l'homme relativement ambitieux, qui demande du travail et un investissement, mais qui est très gratifiant quant aux résultats et à ce qu'on y apprend. On forme essentiellement deux futurs chercheurs et enseignants-chercheurs. C'est les deux débouchés naturels de nos filières. Une fois qu'on a fini son cursus en licence puis en master, on fait un doctorat et le doctorat ouvre à ces métiers-là. Mais ce sont des métiers qui sont courus et il y a peu de débouchés. Il faut aussi savoir que c'est une discipline qui ouvre énormément à d'autres métiers que les métiers de l'enseignement et de la recherche spécifiquement en anthropologie. On peut avoir des gens qui sortent du Master 2, donc qui ne font pas de doctorat, et qui trouvent des métiers dans l'aide humanitaire, qui peuvent trouver des métiers dans le journalisme, beaucoup de débouchés dans les métiers du livre et de l'édition, secrétaire de rédaction, traducteur, énormément de gens qui travaillent dans le cinéma documentaire, qui passent par nos formations. On peut aussi être technicien de projet culturel ou du développement. Les débouchés à partir de la licence incluent principalement le monde associatif ou les métiers de la culture. Les masters 2 d'ethnologie offrent des débouchés comme experts auprès d'organisations non gouvernementales, comme intervenants dans des projets de développement ou des interventions humanitaires. Pour construire un puits, pour établir un projet de microcrédit, il faut avoir une certaine connaissance de la société dans laquelle on évolue. En arrivant avec des solutions toutes prêtes qui vaudraient théoriquement pour toutes les sociétés, finalement, on aboutit à des échecs. Les étudiants qui sortent d'un master de préhistoire s'orientent souvent vers les métiers du patrimoine. On a beaucoup d'étudiants qui, après un master 2 de préhistoire, passent le concours de conservateur. Les étudiants qui s'engagent dans la voie de l'ethnomusicologie et de l'anthropologie de la danse, en général, se destinent aux métiers de la culture. Donc pour l'organisation d'événements culturels, la programmation de concerts, le travail dans l'audiovisuel. Parmi les débouchés naturels et souhaitables de l'anthropologie, il y a professeur des écoles. On y forme non seulement à tout un tas de compétences transversales qui sont tout à fait utiles quand on se prépare ces concours-là, en termes de synthèse, de lecture, de capacité d'analyse, de capacité d'autonomie, mais on s'y prépare aussi à découvrir l'autre et à s'adapter à l'autre. Et ça, je pense que ça fait partie des qualités très importantes pour un professeur des écoles, puisqu'ils sont très souvent confrontés à des classes qui sont multiculturelles. Et il faut être capable, et c'est à ça que forme l'anthropologie, de s'adapter et surtout de dépasser ce qui va sans dire en apparence, ce qui nous semble naturel.